Le groupe Quadrant est tourné à 100% vers les énergies renouvelables. Éolien, solaire, biogaz, hydroélectricité. Son objectif à 2020, 1000 MW de puissance installée. Le groupe Quadrant est un opérateur indépendant. Il assure le développement de projets. Il est aussi producteur et fournisseur d'énergie verte. Rencontre avec Jérôme Beiré, directeur général, et Olivier Guiraud, responsable développement offshore. Quadrant est un producteur d'électricité à partir de l'éolien, du solaire, de l'hydroélectricité et de la biomasse biogaz. Quadrant exploite aujourd'hui près de 200 centrales. C'est plus de 400 MW qui sont raccordés au réseau électrique et qui alimentent les riverains, les populations avoisinantes. Quadrant, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, de vente d'électricité. C'est aussi 220 personnes qui travaillent au quotidien au développement et à l'exploitation de ces projets. Nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur de notre activité, du très amont, le développement des projets, les études, l'obtention des autorisations, le financement, mais aussi la construction, l'exploitation et la maintenance. Les énergies renouvelables sont des énergies de proximité et donc nous cherchons à valoriser au maximum l'énergie produite localement. Nous sommes aujourd'hui présents en France métropolitaine, en Outre-mer et à l'international où l'activité se développe assez rapidement aujourd'hui. Nous faisons partie intégrante du paysage local, industriel, et nous sommes là pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et l'intérêt de cette non-délocalisation, c'est qu'en fait, le bénéfice de ces centrales sont des bénéfices pour les territoires. Alors, ce sont des bénéfices multiples, c'est d'une part une énergie compétitive, d'autre part des emplois induits, importants en termes de maintenance, mais aussi une énergie propre et de long terme à comparer avec des énergies fossiles. En termes d'un an d'études et de travail intense, Quadrant est très fier d'avoir été lauréate de cet appel à projet gouvernemental qui s'est passé au niveau national pour son projet phare EOLMED. C'est un événement vraiment marquant puisqu'il va nous permettre de développer une filière tout entière française à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle locale, ce qui en fait un véritable intérêt pour le territoire sur lequel on est implanté. Quadrant emporte donc un consortium d'entreprises au travers de ce projet EOLMED, composé d'un concepteur de flotteurs, Ideol, basé à La Ciotat, du constructeur de la solution de flotteurs qui est WIG, et d'un turbinier qui est Senvion. L'ensemble de ces entreprises réunies lors de la construction de ce projet, que nous envisageons de réaliser ici à Port-la-Nouvelle, va représenter la mobilisation d'environ 300 emplois et ensuite, dans sa phase d'exploitation, environ 25 emplois. Notre projet sera constitué de 4 éoliennes qui seront situées pas très loin d'ici, à 15 km de Port-la-Nouvelle. Pour conclure, Quadrant est un acteur de la transition énergétique et EOLMED en est une belle illustration qui montre notre capacité d'innovation et notre capacité d'implantation sur de nouveaux territoires.